ce chant, alléluia. Mon âme chante, alléluia. Hosanna, Hosanna. Moi je chante alléluia. Alléluia. Chante avec moi alléluia. Alléluia. Mon ami chante avec moi alléluia. Alléluia. Eh, eh. Chantant Hosanna. T'abandonnera jamais, car il est fidèle. Tu as été trahi par les amis, tu as été trahi par la famille, tu as été trahi par ton conjoint, mais lui, il est fidèle. Il est, il est fidèle. Mon âme chante alléluia, alléluia. Mon esprit chante alléluia, alléluia. Mon caractère même chante. Du péché, moi j'étais. Tu es venu me récupérer. Tu es venu me restaurer. Oh, oh, je suis le fruit de la rédemption. Je suis le fruit du rachat. Oh, oh, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Quand j'allais dans la boue de la mort, il est fidèle. Ta grâce a dit non, 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 non. Je te rattrape. Il est fidèle. Quand j'allais dans la boue du péché, il est fidèle. Ta miséricorde a dit, je te rattrape. Non, 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 reviens, reviens, reviens. Il est fidèle. Quand j'étais dans la boue de l'impudicité, il est fidèle. Ta miséricorde a dit, viens, 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 je te reprends. Il est fidèle. Quand j'allais dans la boue de l'alcool, qui est en moi, crie Hosanna, Hosanna, Hosanna. Que tout ce qui est en moi crie Alléluia, Alléluia.
Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, soyez bénis ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Gloire à Dieu, soyez bénis, soyez fortifiés ce soir. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Shalom à la personne qui est connectée à côté de vous. Nous partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo et dites-moi si vous m'entendez bien. Voilà, moi aussi je veux partager. Gloire à Dieu. Nous partageons la vidéo. Merci Seigneur Jésus. Voilà, je partage. Wow. Gloire à Dieu. Voilà, partage. Hop. Gloire à Dieu. Nous partageons la vidéo. Partageons. Voilà. Voilà. Merci de partager. Voilà, partageons, partageons, partageons. Gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Est-ce que vous... Ok, vous m'entendez bien. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes à notre 4e session. Nous n'allons pas rester longtemps, nous allons aller rapidement, amen, et terminer au moins à minuit, pour nous permettre de nous reposer, puis... revenir à 4h15. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez partagé la vidéo. Voilà, donc demain matin, ça sera 5h du matin. Demain matin, ça sera 5h du matin. Voilà, notez déjà, 5h du matin. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Famille TPS, shalom à toute la famille à travers le monde. Shalom à la famille TPS Corbeil-Essonne. Shalom à la famille TPS qui est du côté de Lyon. Shalom à la famille TPS qui est au Canada. Shalom à la famille TPS dans tous les pays du monde entier. Gloire à Dieu, je vais prier et nous allons commencer. Seigneur mon Dieu, je te bénis encore ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour cette session que tu nous permets, oh Dieu, de faire encore ce soir. Merci pour la force que tu nous donnes d'être à tes pieds et de, Seigneur, oh Dieu, élever la voix encore devant le trône de ta grâce. Merci Seigneur
de nous donner cette opportunité d'entrer encore dans ta présence ce soir, ô Dieu. Prends le contrôle de ce temps de prière et que le Saint-Esprit puisse encore se déverser puissamment. Et que, Seigneur, tu fasses du bien à ton peuple. Et que chacun, Seigneur, chaque personne qui est connectée dans cette session, soit bénie, reçoive la bénédiction, reçoive la restauration, reçoive la grâce, reçoive la faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Notre thème, notre sous-thème, amen, notre thème général, c'est « Donne-nous du repos ». Nous sommes toujours en jeûne et prière afin de prier, demander à Dieu le repos pour que notre année 2022 soit l'année du repos. Amen. 22 jours de jeûne et prière pour l'année 2022. Et je crois que Dieu l'a déjà fait. Il va le faire. Il le fera encore. Il le fera encore pour toujours. Il va te donner le repos. Il va te faire du bien parce qu'il est fidèle. Alors notre sous-thème de ce soir, c'est les quatre attaques des bêtes maléfiques. Gloire à Dieu. Les quatre attaques des bêtes maléfiques. Est-ce qu'on peut l'écrire? Les quatre attaques des bêtes maléfiques. Nous avons besoin de rentrer dans le repos de Dieu dans notre année 2022. Amen. Et nous devons faire le ménage, détruire tous les bêtes maléfiques. Amen. Tous les bêtes des ténèbres qui auraient pu ou qui ont été assignées contre nous. Amen. Nous devons détruire les bêtes maléfiques qui pourraient, voilà, pas qui auraient pu, qui pourraient être assignées contre nous ou qui sont déjà assignées contre nous ou qui travaillent contre nous. Nous allons voir cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Détruire les quatre attaques des bêtes maléfiques. Les quatre attaques ou encore les quatre étapes d'attaque des bêtes maléfiques ou encore les quatre stades d'attaque des bêtes maléfiques. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oui, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Tu peux prier, mais il est important d'avoir la connaissance, car ce que tu ne connais pas te contrôle. Et ce que toi tu connais, tu peux dominer sur cela. Ce que toi tu connais, tu domines sur ça. Mais ce que tu ne connais pas risque de dominer sur toi ou risque encore de contrôler ta vie. Ce que tu ignores risque de contrôler ta vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour le repos que tu nous donnes encore ce soir. Alors nous allons directement dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Joël chapitre 1. Voilà, nous allons à partir du verset 3. Merci Seigneur Jésus. Voilà, si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles pour que vous puissiez noter des choses très importantes dans ce verset. Gloire à Dieu. Joël chapitre 1. 3 à 7. Alléluia. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le Gaza, la sauterelle, l'a dévoré. Je répète encore le verset 4. Ce qu'a laissé le Gaza, la sauterelle, l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gélec, le Hazil l'a dévoré. Verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le moût vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fendre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion et les mâchoires d'une lionne. Vous pouvez souligner ici, il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Vous pouvez souligner aussi, il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Soulignez aussi, il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Nous allons nous arrêter là. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 4. Ce qu'a laissé le Gaza, la sauterelle l'a dévoré. Bien-aimé dans la vie de l'homme, l'homme peut être sujet à des attaques venant des bêtes maléfiques. Alléluia. Il y a des bêtes que nous connaissons, que Dieu a créées. Il y a les bêtes sauvages. Amen. Il y a les bêtes domestiques.
C'est comme avoir un chien dans sa maison, avoir un chat dans sa maison, avoir un perroquet dans sa maison, avoir n'importe quel animal dans sa maison et qui peut aussi qui s'adapte à la vie quotidienne et qui ne peut pas être dans la vie sauvage. Mais il y a ce qu'on appelle, il y a des genres de bêtes qu'on appelle les bêtes maléfiques. Écris avec moi, les bêtes maléfiques. Les bêtes maléfiques. Alléluia. Les bêtes maléfiques. Et les bêtes maléfiques, bien-aimés, fonctionnent en étapes. Ils fonctionnent, bien-aimés, avec une certaine stratégie. Voilà. Ils fonctionnent avec une certaine stratégie. Quand on parle de bêtes maléfiques, c'est-à-dire, c'est des esprits qui sont assignés contre les vies des personnes. C'est des esprits qui sont assignés contre des personnes, contre des destinées, contre des vies, pour que les gens ne puissent pas être dans la paix, pour que les gens ne puissent pas vivre du repos, pour qu'une personne ne puisse pas jouir du repos. Une personne peut être attaquée par les bêtes maléfiques. Et le verset 4 nous dit quelque chose. Il dit, ce qu'a laissé le Gazam, écris avec moi le Gazam, ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Bien-aimé, des fois, l'ennemi peut prendre la forme d'une bête pour attaquer ta vie. Des fois, les sorciers peuvent prendre la forme d'une bête pour attaquer ta santé. Des fois, les ténèbres peuvent prendre la forme d'une bête pour attaquer ta vie. C'est pour cela que vous allez voir, quelqu'un dort, il fait des rêves où un chat est en train de le suivre. Quelqu'un dort, il fait un rêve où un serpent voulait le mordre. Des fois, tu dors, tu vois comme s'il y avait un oiseau terrifiant qui voulait te suivre. Bien-aimé, c'est qu'il y a des bêtes qui ont été envoyées contre toi. Et dans le monde des ténèbres, bien-aimé, le diable ou encore le sorcier peut prendre la forme d'un animal pour venir envoûter ta vie. Le sorcier peut prendre la forme d'un animal pour dominer ta vie. Le sorcier peut prendre la forme d'un animal pour contrôler ta vie ou pour ramener des maladies. Et ici, on est en train de dire, racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération suivante. Ce qu'a laissé le Gazam, qu'est-ce que le Gazam? Alléluia. Ce qu'a laissé le Gazam, le Gazam, bien-aimé, en fait, le premier stade des attaques des bêtes maléfiques, le premier stade des attaques des bêtes maléfiques dans la vie d'une personne, c'est d'abord le Gazam. Alléluia. Le Gazam. Ce qui veut dire que dans le monde spirituel, un homme est vu comme un arbre. Des fois, un homme est considéré comme un arbre. Un homme est vu comme un palmier. Un homme est vu comme des fois comme un animal, mais des fois comme un arbre. C'est pour cela que vous allez voir, le jour où Jésus avait ouvert les yeux de l'aveugle, d'un aveugle, il dit, est-ce que tu vois? L'aveugle dit, non, je vois les hommes comme des arbres. Donc, dans le monde spirituel, des fois, l'homme est représenté comme un arbre. Et on envoie un esprit des bêtes pour dévorer cet arbre. Vous voyez? Le Gazam, bien-aimé, le Gazam, c'est comme un asticot qui vient attaquer les fruits d'un arbre. Le Gazam est cet animal, bien-aimé, ou encore, c'est cet animal, voilà, qui vient pour attaquer les fruits de l'arbre. C'est-à-dire que le Gazam attend qu'une personne puisse planter son arbre. Tu plantes ton arbre, l'arbre, tu plantes ta semence, ça donne l'arbre pousse, après les fruits sortent, les feuilles sortent plutôt d'abord, et quand les fruits commencent à sortir, alors l'esprit de Gazam vient. L'esprit de Gazam vient pourquoi? Pour attaquer les fruits de l'arbre. Tu as commencé ta vie, tu as fait des études, tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Tu faisais tes études, tu as bien étudié, tu as eu tous les diplômes. Au moment où tu as commencé à travailler, il n'y avait pas encore de problème. Mais dès que tu as commencé à voir ton premier salaire, là, l'esprit de Gazam sort. Ça, c'est la première étape de l'attaque des bêtes. Alléluia. Il attaque les fruits de l'arbre.
Donc, le gazam est cet esprit qui attend que l'arbre puisse pousser et que l'arbre puisse donner le fruit. C'est ça le gazam. Que l'arbre puisse donner le fruit. Quand l'arbre donne le fruit, c'est à ce moment-là que le gazam maintenant vient pour détruire. Tu ne comprends pas. Tu as commencé avec ton époux. Vous avez souffert ensemble. Ou encore avec ton épouse. Vous avez souffert ensemble. Dès que vous avez réussi dans les affaires, le mari a maintenant beaucoup d'argent. Le gazam vient. Le gazam vient seulement détruire le fruit. Le gazam vient seulement détruire les résultats. Le gazam est cet esprit qui vient seulement détruire tout ce que tu as travaillé. Les fruits que tu as reçus. Alléluia. Les fruits que tu as obtenus. Les grâces que tu as obtenues. C'est là où il vient. Tu as souffert avec cet homme. Il n'avait rien. Dès qu'il a eu l'argent et qu'il est devenu quelqu'un, c'est là où une autre femme vient et que lui part, il te lâche. Il a oublié que c'est toi qui priais pour qu'il puisse avoir cet argent. Il a oublié que c'est toi qui faisais des jeûnes et prières pour que ses affaires puissent fonctionner. Il a oublié que c'est plutôt toi qui priais pour qu'il puisse, pour que lui, il puisse avancer. Donc les gazards, c'est ces asticots qui viennent pour manger le fruit. Vous voyez des fois, quand vous allez dans des fermes, vous voyez un pommier. Il y a des pommes qui sont bien, mais il y a d'autres pommes, c'est comme si on les a bouffées en fait. Il y a des bêtes qui ont bouffé ça. Vous voyez? Ils viennent juste pour détruire le fruit. Et le but du gazam est que quand il détruit le fruit, que ce fruit qu'il a détruit puisse aussi détruire les autres fruits. Que le fruit qu'il a détruit puisse aussi détruire les autres. Et c'est comme une contamination. Comme une contamination. Alléluia. Une contamination. Ça, c'est le premier stade de l'attaque des bêtes maléfiques. Le diable vient pour attaquer le fruit que tu as donné. Tu as fait des études, il t'a laissé, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu veux travailler, dès que tu as ton premier salaire, la maladie commence. Dès que tu vas être un peu stable, les problèmes commencent. Dès que ton enfant maintenant a son travail et qu'on lui a donné un bon poste, il doit commencer. C'est là où la maladie commence. Ça, c'est l'esprit du gazam. Il dit, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand le gazam, il dévore, il ne s'arrête pas là. Le gazam, maintenant, va se changer en sauterelle. Le gazam va laisser maintenant la place aux sauterelles. Alléluia. Le gazam laisse la place aux sauterelles. Qu'est-ce que les sauterelles font? Les sauterelles, bien aimé, ça, c'est le deuxième stade. Les sauterelles vont maintenant manger les feuilles de l'arbre. Le gazam a détruit les fruits. On t'a pris ton travail. Le mari est parti ou encore la femme est partie. Mais maintenant, la sauterelle va maintenant venir. Le gazam va se changer maintenant en sauterelle. Tu n'as plus de fruits. Il va maintenant manger les feuilles. La sauterelle vient maintenant dans l'arbre pour manger les feuilles. Or, bien aimé, les feuilles dans l'arbre représentent la beauté de l'arbre. Les feuilles représentent la force de l'arbre. Les feuilles représentent la dignité de l'arbre. Tu as déjà perdu des choses, mais l'esprit de la sauterelle va venir dévorer ce qui fait ton honneur. L'esprit de la sauterelle va pour venir dévorer ce qui fait ta force. Cet esprit vient pour détruire ce qui fait la force d'un homme. Alléluia. L'esprit de la sauterelle vient pour détruire tout ce qui fait ta beauté, parce que les feuilles font la beauté de l'arbre. Quand on voit un palmier est beau, ses feuilles en fait montrent la beauté du palmier. Un arbre qui n'a pas de feuilles, un arbre qui est sec n'a plus de beauté. Exemple, nous sommes en hiver, les arbres sont en train de faire tomber les feuilles et des fois les arbres vont rester nus. Les arbres restent nus et la beauté de l'arbre n'est pas là. Il faut attendre le printemps. Quand les feuilles vont commencer à pousser, quand les fleurs vont commencer à pousser, alors l'arbre va reprendre sa beauté. Donc la sauterelle, le deuxième étape du stade, ou encore le deuxième stade d'attaque des bêtes maléfiques, c'est de toucher à ce qui fait la dignité d'un homme. La sauterelle va venir manger les feuilles de l'arbre. La sauterelle va venir manger la dignité, ton honneur. La sauterelle, c'est cet esprit qui vient pour manger toutes les choses qui font ton honneur.
Exemple, ton mariage fait ton honneur. On dit vraiment, tu as un bon mariage. Vraiment, nous sommes flattés de vous voir. Nous apprécions votre couple. Vous êtes vraiment un exemple pour nous. Ce qui fait ton honneur, tu es fier de sortir avec ton épouse. Tu es fier de sortir avec ton époux. Ce qui fait ton honneur, c'est tes enfants. Et l'esprit de la sauterelle va venir toucher à ce qui fait ton honneur. Peut-être que ton honneur, c'est ton travail. Ta dignité, c'est ton travail. Ce qui fait que les gens puissent te respecter. Les feuilles, ce qui fait que les gens puissent te respecter parce que tu travailles dans telle société ou dans telle entreprise, alors les gens te respectent. C'est la vérité, bien-aimé. Des fois, tu es respecté parce que tu as un certain poste quelque part. Des fois, tu es respecté parce que tu as une belle voiture. Ça, c'est le monde, selon le monde. Des fois, tu es respecté parce que tu as une belle maison. Et la sauterelle, quand elle vient attaquer, elle vient attaquer ce qui donne ton honneur. La maison qui faisait ton honneur, la maison qui faisait ta dignité, c'est celle qui va brûler. Ta maison brûle. Tu perds tout du jour au lendemain. Tu perds tout. Ça, c'est la sauterelle. Elle vient détruire les feuilles. Elle vient manger les feuilles. Tout ce qui fait la dignité d'un homme ou d'une femme. Alléluia. La sauterelle vient toucher à toutes les choses qui ont de la valeur dans ta vie. Ça peut être tes affaires. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais tes affaires tombent, tes affaires s'écroulent du jour au lendemain. Tes affaires s'écroulent, ça ne marche plus. Ça, c'est l'esprit de la sauterelle. Il peut aussi attaquer, comme je disais, ton mariage. La sauterelle vient aussi pour attaquer les enfants d'une personne. Si ta fierté, c'est tes enfants. Tes enfants sont ta fierté. Et le diable, par l'esprit de la sauterelle, qui dévore, va venir mettre des problèmes pour que tes enfants se séparent de toi et tu restes seul. Il faut détruire ces esprits au nom de Jésus. Le premier stade d'attaque, bien-aimé, c'est le stade du gazam. Mais le gazam ne part pas, il se change en sauterelle. Il mange d'abord tes fruits. Après, il se change en sauterelle. Il ne s'arrête pas à manger les fruits, mais il va maintenant vouloir manger les feuilles, même les feuilles qui sont restées. Tu as déjà perdu le fruit, mais il va encore manger les feuilles. Deuxième stade, il se change en sauterelle pour manger les feuilles. Alléluia. Il va vouloir dévorer les choses qui te donnent de la valeur. Il va vouloir dévorer. Alors, ce mariage qui était un honneur pour toi, ce couple qui était un honneur pour toi, le diable, il vient, il frappe là. Il frappe là, tu te retrouves seul. C'est l'esprit de sauterelle. Ça, c'est les attaques des bêtes maléfiques. Les attaques des bêtes maléfiques. Alléluia. Et il dit que la sauterelle ne s'arrête pas là. Il est écrit, ce qu'a laissé maintenant la sauterelle, le gélec l'a dévoré. La sauterelle, en fait, il ne s'arrête pas la sauterelle, mais la sauterelle ne meurt pas. Ou encore, quand la sauterelle est morte, elle a laissé des larves. Et les larves de la sauterelle se sont changées en gélec. Quand la sauterelle est morte, ou quand la sauterelle meurt, elle ne meurt pas tout court, mais elle va laisser des larves sur l'arbre qui vont créer ce qu'on appelle le gélec. Donc la sauterelle se change maintenant en gélec. Et la troisième étape d'attaque de la bête, c'est maintenant le niveau de la gélec. La gélec maintenant s'attaque à l'écorce de l'arbre. Nous avons commencé par le fruit. On a attaqué tes fruits, on a attaqué tout ce que tu as produit. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont venus maintenant attaquer les feuilles, tout ce qui fait ta dignité. Ils ne se sont pas arrêtés là. Maintenant, ils passent au troisième niveau d'attaque, le gélec. Le gélec, bien-aimé, est cet esprit qui vient attaquer l'écorce de l'arbre. Cette bête qui vient attaquer l'écorce de l'arbre. Alléluia. Le gélec attaque maintenant, commence à bouffer l'écorce de l'arbre. C'est pour cela, bien-aimé, il faut détruire les attaques des bêtes maléfiques pour que tu puisses être dans ton repos. N'oublions pas que Asa avait brisé les autels étrangers. Il avait brisé tout ce qui était dédié au Dieu soleil. Il avait brisé tout ce qui était idolâtrie. Il avait brisé les idoles. Alléluia. Il avait brisé les idoles. Donc le gélec, quand il vient, il attaque l'écorce de l'arbre. L'écorce de l'arbre, c'est quoi? L'écorce de l'arbre, bien-aimé, l'écorce de l'arbre, c'est toutes choses qui sont attachées à toi. Donc, les choses qui sont attachées à toi, il vient maintenant détruire cela. Il vient maintenant attaquer tes relations. Le niveau de gélec, c'est l'attaque où on vient attaquer les bonnes relations qui sont venues dans ta vie. Il a d'abord détruit le fruit.
Il a détruit les feuilles. Maintenant, il se change en gélec. Il ne s'arrête pas là. Il se change en gélec. Et le gélec vient maintenant attaquer l'écorce de l'arbre. Il vient attaquer tout ce qui te tient, toutes les choses auxquelles tu tiens, les relations, la famille. Il vient attaquer, il vient aussi attaquer ta maison. Il rentre, les attaques rentrent maintenant dans ta maison. Il ne finit pas là. Il vient aussi attaquer les nouvelles feuilles qui sont en train de sortir dans l'arbre. Puisque l'arbre, après, redonne encore des nouvelles feuilles. Donc, les nouvelles relations qui rentrent dans ta vie, les nouvelles choses que Dieu est en train de faire dans ta vie, le gélec vient, il vient encore, il vient maintenant attaquer ça. Il est écrit au verset, toujours au verset 4, partie B, je peux le dire comme ça. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Le gélec l'a dévoré. Il vient dévorer tes relations. L'écorce est ce qui attache l'arbre. L'écorce est ce qui fait le lien entre les feuilles, amen, entre le feuille et la racine. Il vient maintenant attaquer ça. Il n'a pas fini ça. Bien aimé, des fois dans la vie, tu as l'impression que tout est en train de tomber. Tu as l'impression que les attaques sont en train d'avancer de plus en plus. Les attaques vont de pire en pire. Ça avait juste commencé par un petit problème dehors. Le problème est rentré dans ta famille. Après, c'est rentré dans ta maison. Après, c'est rentré dans ton couple. Ton mari te quitte ou ta femme te quitte pour un problème de ta famille, pour un problème des fois qui n'a rien à voir, pour un problème que tu as avec tes copines. Finalement, il dit, moi, je ne veux plus de toi. Pour un problème que tu as avec ton ami, ta femme te quitte. Des fois, tu te dis, mais en fait, tu me quittes pourquoi? Des fois, tu te dis, mais pourquoi on va arriver au niveau du divorce pour un petit problème comme ça, pour un si petit problème? Des fois, une histoire de rien du tout rentre dans ta maison et met le désordre. Pourquoi? C'est l'esprit des bêtes maléfiques. Il faut le détruire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, le gélec attaque l'écorce de l'arbre. Le gélec ne s'arrête pas là. La Bible dit, ce qu'a laissé maintenant le gélec, ça c'est la quatrième étape, ou encore le quatrième stade. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Donc le gélec s'est changé en asile. Asile. On a touché à l'écorce de ton arbre. Maintenant, le asile vient. Le asile, qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant pour manger, quand on prend un palmier. Le asile est ce qui mange le palmier de l'intérieur. Le asile, c'est dans le palmier. Il mange. Vous voyez un grand palmier. Quand un palmier est dévoré par les asiles, par ces bêtes-là, quand c'est dévoré par le asile, quelqu'un peut venir pousser le palmier tombe. Ça n'a plus de force. Maintenant, le asile commence à te dévorer à l'intérieur. C'est les soucis de la vie. Tu commences à avoir des soucis. Ça a dévoré tout ce qui est autour de toi. Maintenant, ça commence à dévorer ton intérieur. Ton intérieur commence à être dévoré. Il commence à manger ton intérieur. Il commence à ramener les soucis. Tu commences à avoir des soucis. Le asile touche à la racine. Le asile touche à l'intérieur. Pas à la racine, mais à l'intérieur de l'écorce. À l'intérieur, il commence à manger. Il est en train de fissurer l'arbre. Prenez seulement l'idée d'un palmier. Le asile est dedans. Il dévore. Et le palmier devient fragilisé. C'est pour cela que quand une personne est attaquée par ces esprits de asile, quand une personne arrive au niveau de asile, c'est là où vous entendez que quelqu'un a fait un AVC. Quelqu'un est tombé. La personne marchait seulement, elle est tombée, elle est morte. La personne dormait seulement, elle a fait une crise cardiaque, elle est morte. La personne marchait seulement, pourquoi? Parce que le asile, c'est le stade d'attaque où on t'attaque de l'intérieur. Tu commences à avoir des soucis. Tu ne dors plus la nuit. Ça te touche maintenant, c'est ton corps qui est touché. C'est ta santé maintenant qui est touchée. Parce que là, c'est l'intérieur. Où tu commences à voir, on te dit que tu as le diabète, maintenant tu as la tension, maintenant tu fais des tachycardies, tu ne dors pas, maintenant tu as un problème d'anxiété. C'est-à-dire, le asile, c'est la quatrième attaque des bêtes maléfiques où ils viennent attaquer quelqu'un de l'intérieur. La Bible dit au verset 6, « Car un peuple est venu fendre sur mon pays. » Vous voyez? Car un peuple est venu fendre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion et les mâchoires d'une lionne. Un peuple est venu fendre sur mon pays. Joël est en train de dire, il a d'abord parlé des gazames, des sauterelles. Maintenant, il explique ça. C'est un peuple. C'est un esprit. Ça veut dire que c'est un esprit. C'est un peuple qui est venu fendre sur moi. De la même manière, bien-aimé,
Quelqu'un peut se changer en bête pour attaquer ta vie. Quelqu'un peut se changer en serpent pour venir étouffer ta vie. Quelqu'un peut se changer en n'importe quel animal, même une moustique, pour venir piquer ta vie, pour ramener la maladie, pour ramener des difficultés, pour ramener des lourdeurs. Quelqu'un peut se changer en tortue pour ramener contre toi l'esprit de lenteur. Quelqu'un peut se changer en chat pour ramener contre toi l'esprit de mort. C'est pour cela, bien-aimé, si vous devez détruire ces esprits dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Joël dit que c'est un peuple nombreux. Ce n'est pas seulement que des gazames, des sauterelles ou des gelettes. Il dit, c'est un, car un peuple est venu fendre sur mon pays. Un peuple est venu fendre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Quelle est cette personne, bien-aimée? Quel est ce peuple qui a les dents d'un lion et les mâchoires d'une lionne? Déjà, on voit déjà l'idée. On voit déjà l'idée d'un monstre. Comment quelqu'un peut avoir les dents d'un lion et la mâchoire d'une lionne? On voit déjà un mélange là. C'est comme... En fait, c'est comme un monstre. C'est un monstre. Alléluia. C'est un monstre. Un mélange du lion et de la lionne. Donc, c'est tout un mélange. Si tu fais un rêve comme ça, ça va t'effrayer. C'est effrayant. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est l'image d'un monstre. L'image d'un monstre. Et les attaques des bêtes maléfiques viennent dans la vie des personnes, viennent dans la vie des gens pour ramener le malheur. Quand une personne est attaquée par des bêtes maléfiques, ces esprits ne s'arrêtent pas seulement à toucher un domaine de ta vie, mais vont vouloir toucher même jusqu'à ta santé. Nous avons vu comment l'étape a évolué. Si on prend l'idée d'un arbre, il a d'abord mangé les fruits. Il n'a pas fini avec les fruits. Après, il est passé sur les feuilles. Il n'a pas fini avec les feuilles. Il est passé sur l'écorce. Il n'a pas fini avec l'écorce. Il est passé maintenant à l'intérieur de l'arbre. Il est passé à l'intérieur de l'arbre. Et quand le asile quitte, ou quand le asile meurt, le asile ne laisse que des racines. Alléluia. Le asile, écris avec moi, le asile laisse les racines. Le asile laisse les racines. Verset 7, il est écrit, il a dévasté ma vigne. Bien aimé, la vigne représente ta maison. La vigne représente ta vie. La vigne représente ce qui est à toi. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne ont blanchi. Donc, il ne laisse que les racines. Écris avec moi. Même quand le asile bien-aimé vient dévorer, il laisse les racines. Il laisse les racines. Il faut détruire les attaques des bêtes sauvages. Il laisse les racines. Alors vous allez voir que dans l'arbre, il ne laisse que les racines. Or, l'apôtre Paul dit quelque chose. Je n'ai pas mis ça à l'écran. Notez seulement. Colossiens chapitre 2, au verset 6 à 7. Colossiens 2, 6 à 7, il est écrit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Il dit au verset 7, tant enraciné et fondé en lui. En d'autres termes, même quand le asile part, le asile laisse la racine. C'est pour cela qu'il est important d'être enraciné en Christ. Ta racine doit être en Christ. Si ta racine est en Christ, tu vas encore pousser. Tu auras toujours du repos. Tu vas encore pousser. Si ta racine est en Christ, tu vas encore pousser. Même si l'ennemi vient pour dévorer, il ne dévorera jamais tout. Il va te laisser la racine. Alléluia. Il va te laisser la racine. Il dit, les rameaux de la vigne ont blanchi. Il va te laisser la racine. Et si ta racine est en Christ, alors tu vas encore croître. C'est pour cela qu'il est important, bien-aimé, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que Jésus-Christ soit ta racine. En fait, que ta racine soit enracinée en Christ. Que ton arbre, ta vie, soit enracinée en Christ. Même si on dévore le fruit, même si on dévore les feuilles, même si on dévore l'arbre, mais parce que tu seras enraciné en Christ, tu seras enraciné dans la parole de Dieu. Cette parole va encore donner de la sève dans ton arbre pour que tu ne puisses pas tomber. Mais ce
celui qui n'est pas enraciné en Christ, quand il arrive au niveau du asile, le asile commence à dévorer de l'intérieur. C'est là où la personne a beaucoup de soucis. Tellement qu'elle n'a pas la parole de Dieu, la personne commence à pleurer. La personne commence à maigrir. La personne ne veut plus prier. La personne ne veut plus entendre parler de Dieu. La personne est fatiguée. Pourquoi ? Là, maintenant, on attaque son âme. On est en train de dévorer de l'intérieur. On est en train d'enlever sa foi. Et si on ne fait pas attention, la personne peut encore retourner dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas enracinée en Christ. Tu dois être enraciné en Christ. Tu dois être enraciné en Christ. C'est très important. Être enraciné en Christ. Qu'en 2022, tu sois enraciné en Christ. Alléluia. Qu'en 2022, tu sois enraciné en Christ. Tu as vu et tu as compris comment le diable envoie des bêtes sauvages pour venir attaquer la vie des personnes, pour venir attaquer les maisons, pour venir attaquer des vies, pour venir attaquer des destinées, pour venir attaquer. Il va commencer par l'esprit du gazam. Le gazam qui te laisse d'abord tout faire. Tu avances dans la vie. Dès que tu commences à vouloir manger le fruit, le gazam sort. Le gazam vient seulement manger le fruit. Juste au moment où tu veux dire, je veux me réjouir du fruit de mon travail. Je veux me reposer de mes œuvres. Je veux un peu me réjouir du travail que j'ai fait. C'est là où le gazam vient dévorer. Il ne s'arrête pas là. Il laisse la place à la sauterelle qui vient dévorer les feuilles. Les feuilles qui constituent ta dignité, ce qui fait ta fierté, toute chose qui fait que quelqu'un te respecte. Il vient dévorer ça pour que plus personne ne te respecte. Pour être nu, pour enlever ta dignité. Il ne s'arrête pas là. La sauterelle ne s'arrête pas là. La sauterelle maintenant laisse la place au gélec. Le gélec qui vient manger maintenant le tronc. Alléluia. Qui vient manger l'écorce. Il commence à manger. Les choses qui te soutenaient. Les amis qui te soutenaient. Les personnes qui étaient là sur qui tu pouvais reposer. Les personnes qui étaient là pour te soutenir. Ces personnes commencent à te quitter une à une. Ces personnes commencent à te fuir. Même ta famille peut être contre toi. Même ta famille peut se tourner contre toi. Et tu restes seul. Il ne s'arrête pas là. Le gélec ne va pas s'arrêter là. Et le gélec maintenant va laisser la place au asile. Le asile va dire, moi je veux venir maintenant pour achever. Le asile commence à toucher à l'intérieur. Les soucis commencent à venir. La maladie commence à venir. Les problèmes commencent à venir. C'est maintenant de l'intérieur. Tu ne dors pas. Tu ne peux rien faire. Tu pleures toutes les nuits. Tu es en train de souffrir. Tout le monde est injuste autour de toi. Tu ne comprends rien ce qui t'arrive. C'est de l'intérieur. Tu commences à te morfondre à l'intérieur. Tu commences à fendre. Tu commences à pourrir de l'intérieur. Et si tu ne fais pas attention, tu vois, vous entendez que quelqu'un là-bas, ah, elle est tombée. Quelqu'un là-bas, ah, elle a fait un AVC. Ah, quelqu'un là-bas, c'est de l'intérieur que ça s'est passé. L'esprit de la bête est rentré à l'intérieur et a commencé à dévorer la vie de cette personne, à dévorer sa santé, à dévorer sa vie. Et la maladie sort. Des fois même, la maladie ne sort pas. On va à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie. On ne sait pas ce qui se passe. Les médecins ne comprennent pas. Ils peuvent même dire, allez chez le psychologue parce qu'on ne voit pas. On ne comprend pas qu'est-ce qui vous arrive. Ça, c'est quoi? Ce sont les attaques. Et quand le asile part et qu'il a tout dévoré, il ne laisse que la racine. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes enracinés en Christ. Si tu es enraciné en Christ, alors la puissance du Seigneur Jésus va encore te relever et te redonner la force. Alléluia. Te redonner la force. Alors tout ça pour vous dire tout simplement, bien-aimés, que nous devons détruire les attaques des bêtes maléfiques. Qu'en 2022, aucune bête des ténèbres, aucun esprit de sauterelle, aucun esprit de bête, aucun esprit d'animal, alléluia, ne soit assigné contre toi au nom puissant de Jésus. D'autres personnes sont attaquées par des esprits de serpent. Le serpent vient pour étouffer. Tu te sens étouffé. Tu n'arrives pas à émerger parce que tu es étouffé. Tu es toujours étouffé. Tu es toujours étouffé. Il y a quelque chose qui vient étouffer ta vie. Le serpent vient, vous voyez quand le serpent il vient, il entoure, il enroule sa proie, il enroule et il tue toujours par étouffement. Il vient étouffer tes affaires, il vient étouffer ton travail, il vient étouffer, tu te sens étouffé, tu n'arrives pas à avancer. Il faut détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Il faut détruire ces esprits au nom de Jésus et que 2022 soit ton année de repos. L'Éternel te donne du repos, alléluia, l'Éternel te donne du repos. Quand tu vois qu'il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, il y a des sensations bizarres, des angoisses, des peurs, des choses bizarres, des rêves bizarres, faites attention à l'esprit des attaques des bêtes maléfiques. Alléluia, faites attention aux esprits des attaques de bêtes maléfiques. Il faut détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
Nous voulons prier le Seigneur. Il nous reste à peu près 10 minutes. Nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et que toute attaque des bêtes maléfiques, des bêtes spirituelles, soit anéantie dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit des ténèbres, de sauterelles qui vient pour dévorer tes finances, qui vient dévorer ta santé, qui vient dévorer tes relations, qui vient dévorer ta dignité, qui a voulu que tu sois dénudé, que tu puisses être dans l'humiliation. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un a écrit, même les araignées. Les esprits d'araignées sont des esprits qui viennent pour mettre les ténèbres, pour emprisonner une personne. Ils mettent les ténèbres, ils emprisonnent une personne parce que la toile vient pour emprisonner. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi ce soir. Alléluia, tu vas prier avec moi. Tu vas dire avec moi, tendre Père, je te bénis. Merci encore pour cette quatrième session de la journée. Merci Père pour cette quatrième session. Et merci parce que tu as des plans merveilleux pour moi. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu as des plans merveilleux pour moi. Des plans merveilleux pour ma famille, des plans merveilleux pour mes enfants, des plans merveilleux pour ma destinée, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi, remercions le Père, alléluia, remercions le Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ton amour, merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta vie, merci Père, merci pour ta grâce, pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette session que tu as accordée, ô Dieu de gloire, que tu nous as accordée, afin que nous puissions encore te bénir, afin que nous puissions encore célébrer ton nom, afin que nous puissions encore, Seigneur, être à tes pieds. Merci pour ta parole qui nous a exhortés, qui nous a ouvert les yeux, afin que nous puissions connaître, Seigneur, la vérité et que nous soyons affranchis. Nous te bénissons, nous te louons dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Et tu vas dire, tu vas prendre autorité contre tous les esprits des bêtes maléfiques. Tu vas prendre autorité contre tous les esprits des bêtes maléfiques. Alors que je suis en train de parler maintenant, il y a des personnes bien-aimées, quand ils se mettent en colère, ils se transforment. Des fois, tu peux te mettre en colère, mais ton visage a changé. Tu deviens comme un animal. Ton visage change. Si on peut te filmer pour te montrer comment tu es, je suis sûr que tu vas être étonné. Il y a un esprit qui cherche à contrôler ou qui domine déjà ta vie. Il faut détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Il faut anéantir cela au nom puissant de Jésus. Alors nous allons invoquer le sang de Jésus. Tu vas demander au sang de Jésus, alléluia, de purifier ton être entier. Tu vas dire au sang de Jésus, purifie mon être entier cette nuit. Purifie mon esprit, purifie mon âme. Purifie mon corps dans le nom de Jésus. Purifie-moi. Et que tout esprit, toute attaque des bêtes sauvages contre ma vie soit détruit au nom puissant de Jésus. Purifie-moi, Seigneur, par ton sang précieux. Purifie ma maison. Que toute attaque des bêtes maléfiques, que toute attaque des bêtes des ténèbres contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants, soit nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que ton sang me purifie encore ce soir. Purifie-moi par ton sang précieux. Purifie mon être entier. Purifie mon esprit. Purifie mon âme. Purifie mon corps. Au nom puissant de Jésus. Que toute attaque des bêtes maléfiques contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants, soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute attaque de bêtes maléfiques contre ma vie, contre mes enfants, contre ma famille, soit anéantie dans le nom de Jésus. Que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton sang purifie ma maison. Que toute attaque de bêtes maléfiques contre ma maison, contre la vie de mes enfants, contre ma destinée, soit détruite, soit anéantie dans le nom puissant de Jésus. 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 Que toute attaque des ténèbres, toute attaque des bêtes maléfiques, toute attaque de chat, toute attaque de chien, toute attaque de serpent, toute attaque d'oiseau,
d'oiseaux maléfiques, toute attaque de bête, quel que soit son nom, contre ma vie, soit anéantie, soit brûlée, soit détruite ce soir, au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, que tout animal de sorcellerie, tout animal de sorcellerie assigné contre ma vie, assigné contre ma destinée, assigné contre ma maison, alléluia, soit consumé, soit brûlé par le feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que tout animal de la sorcellerie qui a été assigné contre toi, c'est-à-dire qui a été envoyé contre toi, envoyé contre ta maison, envoyé contre ta vie. Ce n'est pas normal, bien-aimé, de dormir et de voir une tortue. Tu vois la tortue qui est en train de marcher. Or, cette tortue est en train de donner des envoûtements de lourdeur dans ta vie. Cette tortue est en train de donner des envoûtements de lourdeur que tu ne puisses pas avancer. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Si tu vois souvent des chiens, détruis ce chien ce soir au nom de Jésus. Qu'en 2022, tu ne le vois plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Si sur ta vie, on avait assigné des serpents, que tu ne vois plus jamais le serpent de ta vie dans les rêves, dans le nom puissant de Jésus. Que tu ne vois plus jamais ce serpent, que tu ne vois plus jamais cet animal au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout animal de sorcellerie qui a été assigné contre ma vie, qui a été assigné contre ma destinée, qui a été assigné contre la vie de mes enfants, meurs maintenant au nom de Jésus, meurs maintenant au nom de Jésus, meurs maintenant au nom de Jésus, meurs maintenant au nom de Jésus. Il y a des personnes bien-aimées, dès qu'ils rêvent seulement un chat ou qu'ils rêvent un quelconque animal, dès qu'ils rêvent cet animal, quelque chose arrive dans leur vie. Ça veut dire que cet animal vient pour jeter des sorts, cet animal vient pour ramener le malheur, cet animal vient pour ramener des mauvaises choses, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Si c'est la tortue, détruis sa carapace avec le marteau de Dieu au nom puissant de Jésus. Si c'est le serpent, coupe sa tête maintenant au nom puissant de Jésus. Par l'épée du feu du Saint-Esprit, par l'épée de feu du Saint-Esprit, coupe la tête de ce python, coupe la tête de ce serpent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout animal des ténèbres, tout animal de la sorcellerie qui a été assigné contre moi, qui a été assigné contre ma vie, qui a été assigné contre toi, oh, qu'il soit détruit, qu'il soit consumé par le feu, qu'il soit brûlé par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Depuis des années, on a mis un animal qui surveille ta vie. Depuis des années, on envoyait un animal qui surveille ta vie. Oh, qu'il soit brûlé maintenant, qu'il soit brûlé maintenant. Qu'il soit brûlé maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il soit brûlé maintenant par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu rêves souvent des sauterelles ou une seule sauterelle, la sauterelle représente le dévoreur, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Tout esprit de sauterelle qui a été assigné contre toi pour dévorer tes finances, pour dévorer tout ce que tu commences, pour dévorer ton travail, qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus. Qu'il soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Détruis les attaques des bêtes maléfiques. Détruis les attaques des animaux maléfiques. Détruis ces attaques dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que cela soit anéanti, que cela soit brisé, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit anéanti et brisé. Détruis cela dans le nom de Jésus. Détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Des fois, on peut représenter la vie d'une personne par un animal. Des fois, dans le monde des ténèbres, on peut représenter la vie d'une personne par un animal. On peut représenter quelqu'un par un chien. Si on représente la vie d'une personne ou on représente ta vie dans la forme du chien, vous allez voir que la personne aura toujours tendance, la personne sera impudique en fait. Il y aura l'impudicité qui va suivre sa vie. Il y aura l'esprit d'impudicité, il y aura l'esprit de masturbation, l'esprit de la prostitution, les mauvais esprits d'impudicité qui vont suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a le chien qui est là. On a changé sa vie en chien. Lui, vous le voyez comme un humain, mais c'est l'esprit de chien qui agit en lui. L'esprit de chien. Bien-aimé, c'est pour cela, tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ, alors que je me tiens à la porte de minuit,
que tout animal représentant ma vie, alléluia, dans un quelconque monde, alléluia, des ténèbres, soit détruit maintenant par le feu au nom de Jésus. Que tout animal représentant ma vie, oh, dans un quelconque royaume, dans un quelconque monde, meure maintenant au nom de Jésus. Soit détruit maintenant au nom de Jésus. Que tout animal représentant ma vie, dans un quelconque monde, oh, à n'importe quel endroit, soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Vous allez voir, bien-aimé, quand la vie d'une personne est représentée par un lion, quand cette personne se fâche, elle devient comme une lionne. Quand cette personne se fâche, elle devient comme une lionne. Quand la vie de quelqu'un, bien-aimé, est représentée par un éléphant, on a changé la personne en éléphant. La personne ne va jamais oublier le mal que vous lui faites. Elle ne va jamais pardonner. Pourquoi ? On a mis en elle la mémoire de l'éléphant. Elle connaît toutes les mauvaises choses qui sont arrivées dans sa vie. Toutes les mauvaises choses. Elle va commencer à méditer que les mauvaises choses. Les mauvaises choses. Les mauvaises choses. Les mauvaises choses. Et la personne aura une vie de vengeance, toujours en train de vouloir se venger. C'est un esprit d'éléphant. Pourquoi ? Oh, tu n'oublies jamais ce qu'on t'a fait. Tu n'oublies jamais. Tu as une mémoire d'éléphant. Qui n'oublie pas, on t'a fait mal jusqu'à ce que tu vas te venger. Ça ne finira pas tant que tu ne te venges pas. Oh bien-aimé, détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom puissant de Jésus. Que cela soit anéanti. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Que tout animal qui représente ma vie dans un quelconque royaume, dans un quelconque monde, dans un endroit quelconque, que cela soit détruit, que cet animal soit anéanti au nom de Jésus, que cet animal soit brisé au nom de Jésus, que cet animal soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que cet animal soit brisé, que cet animal soit brisé, que cet animal soit foudroyé par le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que tout animal, bien-aimé, que le monde des ténèbres a pris pour représenter ta vie, meurt ce soir au nom de Jésus. Meurs ce soir au nom de Jésus. Tout animal que le monde des ténèbres a pris pour représenter ta vie, pour emprisonner ta vie, pour enfermer ton travail, qu'il soit anéanti au nom de Jésus, qu'il soit brisé au nom de Jésus, qu'il soit détruit au nom de Jésus, qu'il soit foudroyé ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tout animal qui représente ta vie dans le monde des ténèbres soit détruit maintenant, soit anéanti maintenant, soit brisé maintenant, au nom de Jésus. Alors que je suis en train de prier, il y a des gens qu'on a changé en caméléon. Oui, c'est ce que je reçois. Il y a des personnes, on les change en caméléon dans le monde des ténèbres. Le caméléon change de couleur, ce qui fait que les personnes sont instables. Les personnes sont malades, un coup elles sont malades, un coup elles sont guéries, un coup elles sont malades, un coup elles sont malades, un coup elles sont guéries, un coup tout va bien, un coup plus rien ne va, un coup un changement comme des caméléons. Et c'est des personnes qui ont souvent des humeurs changeantes. Ils changent d'humeur, c'est-à-dire d'une minute à l'autre, ils changent d'humeur. Ils peuvent virer du bleu au rouge, ils peuvent virer du rouge au bleu. On ne les comprend pas. Et ce comportement détruit même les relations de ces personnes. Ce comportement détruit même tes relations. Tu changes d'humeur comme ça. Tu ne sais pas pourquoi. Tu changes d'humeur. Un coup tu rigoles, un coup tu te fâches. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit de caméléon qui représente ta vie dans le monde des ténèbres, qu'il soit maintenant détruit au nom de Jésus. Tout animal, le caméléon, qu'il soit néanti au nom de Jésus, qu'il soit brisé au nom de Jésus, qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Nous avons vu que le asile détruit l'écorce de l'intérieur, l'arbre de l'intérieur. Le asile détruit maintenant des manches, dévore de l'intérieur. Alors tu vas prier et tu vas dire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous semences de l'échec, plantez dans ma destinée. Plantez dans ma vie. Soyez déracinés maintenant au nom de Jésus. Vous semences de l'échec. Les semences de maladie, les semences de lourdeur, les semences d'échecs qui ont été plantées dans ta destinée, qui ont été plantées dans ta vie, commence à les déraciner maintenant. Commence à les déraciner au nom de Jésus. Commence à les déraciner. Tu es comme un arbre. Et si en toi, on a mis des semences de déchets, on a mis des bêtes, on a mis de asile qui est dedans, qu'ils soient déracinés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous semences de l'échec. Vous semences de maladie. Vous semences de douleur. Vous semences de souffrance. Plantez dans ma destinée. Plantez dans ma vie. Soyez déracinés ce soir. Soyez déracinés ce soir. Au nom puissant de Jésus. Soyez déracinés.
déracinée ce soir, au nom puissant de Jésus. Soyez déracinée dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Car je suis dans le repos de Dieu. Car je rentre dans le repos de Dieu. Soyez déracinée maintenant, au nom de Jésus. Vous semences de maladie, plantées dans mon corps, je vous déracine maintenant, au nom puissant de Jésus. Vous semences de douleur, plantées dans mon corps, je vous déracine maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas demander le repos de Dieu. Notre thème, c'est le repos. Le repos. Que Dieu te donne du repos en 2022. Il dit dans sa parole, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Tu vas dire à ton père ce soir, mon père, donne-moi du repos. Mon père, donne du repos à ma santé, donne du repos à ma maison, donne du repos, Seigneur, à mon mariage, donne du repos à mon couple, donne du repos, Seigneur, à mon futur, donne du repos à mes projets, donne du repos à ma vie. Demande le repos de Dieu. Commence à prier pour le repos de Dieu. Que le repos de Dieu soit ton partage. Qu'il te donne le repos. Qu'il te donne le repos dans tous les domaines de ta vie. Que le repos puisse rentrer dans la vie de tes enfants. Que le repos puisse rentrer dans tes finances. Que le repos puisse rentrer, oh bien-aimé, dans ta santé. Que le repos puisse rentrer. Que 2022 soit l'année de ton repos. Dans le nom puissant de Jésus. Que les larmes ne coulent plus de tes yeux. Que tu rentres dans ton repos. Dans le nom puissant de Jésus. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Que tu rentres dans ton repos. Dans le nom puissant de Jésus, que tu rentres dans ton repos au nom puissant de Jésus. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, ce soir, je viens encore devant le trône de ta grâce. Priez Seigneur, donne-moi ton repos. Que 2022 soit l'année de mon repos. Seigneur, je refuse de rentrer en 2022 avec la maladie. Je refuse de rentrer en 2022 avec cette situation. Je refuse de rentrer en 2022 avec ce problème. Je refuse de rentrer en 2022 avec ce péché. Seigneur, délivre-moi. Donne-moi ton repos. Oui Seigneur, oh Dieu, accomplis ta parole. Tu as dit, je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Marche avec moi en 2022. Que le Saint-Esprit marche avec moi en 2022 et que je puisse avoir le repos, que je puisse avoir le repos de tous côtés, le repos dans tous les domaines de ma vie, le repos dans la vie de mes enfants, le repos dans ma santé, que la maladie ne vienne plus, que les fibromes ne viennent plus, au nom puissant de Jésus, que la maladie qui a un nom ou celle qui n'a pas de nom ne vienne plus dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que toute bête maléfique qui a été assignée à ma vie soit foudroyée et que je ne rentre pas en 2022 avec les bêtes, au nom de Jésus. Que tout esprit de bête qui a été assigné contre moi reste en 2021, soit foudroyé, soit détruit, soit décimé, soit anéanti au nom de Jésus. Et que je rentre en 2022 libre, que je rentre en 2022 libre au nom puissant de Jésus, avec la liberté, avec la délivrance, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, donne-moi du repos. Donne du repos à mes enfants. Donne du repos, mon Dieu, à mes relations. Donne du repos à mon futur. Donne du repos à ma destinée. Le repos de Dieu, celle qui cesse la guerre, celle qui fait arrêter la guerre, celle qui donne le succès, celle qui donne le miracle, celle qui donne le témoignage, le repos de Dieu, que je puisse vivre ton repos, que je rentre dans ton repos, le repos qui donne la paix, le repos qui donne la paix, le repos qui donne la paix, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Oui, donne-moi ton repos. Mon père, donne-moi le repos de tous côtés, dans tous les domaines de ma vie. Le repos, alléluia, dans ma vie spirituelle. Le repos dans ma vie spirituelle. Que je ne sois plus quelqu'un qui est toujours ballotté à tout vent de doctrine, mais que je sois planté, que je sois un chrétien stable. Oui, Seigneur, je te prie que tu puisses, oh Dieu, oui, me conduire encore en 2022. En 2022, que je puisse avoir le repos. Le repos dans ma vie sociale. Que je sois stable socialement. Au nom puissant de Jésus, le repos dans ma vie mentale, que je sois stable mentalement, que les soucis me quittent, que ta paix puisse remplir mon cœur, que ta paix puisse remplir ma maison, que ta paix puisse remplir ma vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, le repos, le repos, le repos, ton repos Seigneur, que ton repos soit mon partage, que ton repos soit mon partage, que ton repos soit mon partage, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que ton repos soit mon partage. Je désire ton repos. Je désire ton repos. Je désire ton repos. Je désire ton repos. Au nom puissant de Jésus, je désire ton repos, Seigneur. Je désire ton repos. Oui, ton repos, Seigneur. Que ton repos soit mon partage.
Que ton repos, Seigneur, donne la paix à ma maison. Que ton repos donne la paix à mes enfants. Que ton repos donne la paix à ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Que ton repos donne la paix, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Oui, à mes enfants, à mes relations, dans le nom de Jésus. Que ton repos, Seigneur, donne la paix à ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je désire ton repos, Seigneur. Je désire ton repos, Seigneur. Ton repos, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je désire ton repos. Que ton repos, Seigneur, vienne dans ma vie. Que ton repos vienne dans ma vie. Que ton repos vienne dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Que ton repos vienne dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Que ton repos vienne dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Que ton repos vienne dans ma vie. Je désire ton repos plus que toute autre chose. Je désire ton repos. Et que l'année 2022 soit l'année de la passion. Que je puisse être passionné du Saint-Esprit. Que je puisse être passionné de ta parole. Que je puisse être passionné, Seigneur. Passionné de te servir. 2022, que mon zèle puisse encore augmenter. Que je puisse te servir comme jamais. Que je puisse t'aimer comme jamais. Saint-Esprit, que je puisse te connaître comme jamais. Au nom de Jésus, que je monte à une nouvelle dimension. La dimension de te connaître. À la dimension de te connaître à un autre niveau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que 2022 soit l'année du repos. Où, Seigneur, je veux vivre des miracles. Où je veux vivre ta gloire. Où je veux voir, Seigneur, des choses changer dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. 2022, l'année du repos. Merci pour ton repos, Seigneur. Plus jamais, Seigneur, il y aura, oui, des avortements. Plus jamais, il y aura des fausses couches dans la vie de quelqu'un qui est connecté ici. Plus jamais, il y aura des fausses couches au nom de Jésus. Plus jamais, Seigneur, quelqu'un sera instable. Je déclare maintenant, je déclare les CDI au nom de Jésus. Que tu puisses avoir un contrat à durée indéterminée dans ton travail. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur toi maintenant que 2022 ouvre la porte du travail dans ta vie. Ouvre la porte de la stabilité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que 2022 ouvre la porte du mariage. Au nom de Jésus, je déclare la visibilité. Ton étoile va briller. Ton étoile sera visible. Tu seras béni. Au nom puissant de Jésus, 2022, l'année de l'ouverture ou des ouvertures des portes dans ta vie. Les ouvertures des portes dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Les ouvertures des portes dans ta vie, au nom de Jésus. Les ouvertures des portes dans ta vie, au nom de Jésus. 2022 est l'année où la personne qui avait décidé de te faire souffrir, la personne qui a décidé de te voir tomber, la personne qui a décidé de te voir malade, va tomber au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit sa position, qu'elle soit debout, qu'elle soit assise, qu'elle soit je ne sais pas où, quelle que soit sa source, quel que soit son nom, quelle que soit sa position, elle tombera au nom puissant de Jésus. Elle tombera au nom puissant de Jésus. Tout esprit maléfique, tout esprit de bête maléfique qui enferme ta faveur, qui enferme ton étoile, qui enferme ce qui est à toi, va maintenant enfermer la personne qui a envoyé ces animaux. Au nom de Jésus. Va maintenant enfermer la personne qui l'avait envoyé contre toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y aura un retour à l'envoyeur. Il y aura un retour à l'expéditeur. Il y aura un retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus, 2022, c'est la délivrance de ta famille, la délivrance de ta maison, la délivrance de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel te donne du repos, à toi, à tes enfants et à tes petits-enfants. Au nom de Jésus, 2022, l'année de la réussite, car l'Éternel te donne du repos. Il te donne du repos, le véritable repos, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ton toucher, pour ta délivrance. Merci pour la transformation dans la vie de quelqu'un. Merci pour la libération dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur, oh Dieu, car tu as libéré encore ce soir des vies, oh Dieu. Tu as libéré encore ce soir tes enfants de l'emprise des bêtes maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tes enfants sont enracinés en Christ. Tu es enraciné en Christ. Ta vie est enracinée en Jésus-Christ. Même si on t'avait tout pris, mais parce que ta racine est en Christ, oui, parce que ta racine est en Christ, tu es enraciné en Christ, tu récupères tout ce que les sauterelles avaient dévoré au nom de Jésus. Tu récupères tout ce que les sauterelles avaient dévoré, le Jelek avait dévoré, le Azim avait dévoré. Tu récupères cela au nom de Jésus. Tu récupères cela au nom de Jésus. Tu récupères cela au nom de Jésus. Tu récupères cela. Ce que le Azim a dévoré, tu le récupères maintenant.
au nom puissant de Jésus. Tu récupères maintenant ta dignité. Tu récupères maintenant ton travail. Tu récupères maintenant tes finances. Tu récupères maintenant ta beauté. Ta beauté qui avait été volée par l'ennemi. Tu récupères cela au nom de Jésus. Tu récupères ton étoile au nom de Jésus. Ce que l'ennemi avait volé, tu le récupères parce que Dieu t'accorde son repos. Par le nom puissant de Jésus. Commence à dire merci pour l'exaucement. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci Père pour l'exaucement. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Que toute la gloire te revienne. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont donné les offrandes cette nuit, ô Dieu. Et que chaque offrande, ô Dieu, parle devant toi, comme l'encens de bonne odeur. Que chaque offrande qui a été donnée parle devant toi, Seigneur. Je bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui ont partagé cette vidéo, tous ceux qui ont aimé la vidéo, et tous ceux qui se sont connectés, Seigneur, ô Dieu. Que leur prière monte devant toi, comme l'encens de bonne odeur, dans le nom de Jésus. Et que Seigneur, ô Dieu, toi-même, tu combattes pour eux. Que toi-même, tu marches devant eux. Que toi-même, tu leur fasses du bien. Que le Seigneur vous bénisse cette nuit, qu'il vous fasse du bien. Et que vos rêves soient bénis. Que votre couverture soit bénie. Que votre lit sur lequel vous allez dormir soit béni. Que votre maison soit bénie. Et que vos rêves soient bénis dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons trois fois Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière semeur, ne partez pas si vite, cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications. Alors bien aimés, n'oublions pas, demain c'est notre culte, nous serons en culte à partir de 11h30 au 1 rue Fernand Reynaud, zone industrielle de la Porte Paris, 91100 Corbeil-Essonne. Nous sommes arrivés à la fin, ne partez pas si vite, cliquez sur s'abonner et aussi aimez la vidéo, vous qui êtes là depuis. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Ne partez pas sans aimer la vidéo. Aimez la vidéo. Permettez à quelqu'un de voir cette vidéo. Permettez à quelqu'un de tomber sur cette vidéo. Permettez à quelqu'un de bénéficier aussi de ce moment de jeûne que nous sommes en train de faire parce que vous avez aimé tout simplement la vidéo ou que vous avez partagé. Alors, tout à l'heure, nous aurons la prière à 5 heures. Notez bien 5 heures pour nous permettre de dormir un peu. Amen. Donc, on adapte ça à 5 heures du matin. La prière sera à 5 heures et non 4h15. 5 heures, comme ça, on dort une heure de plus. 5 heures, tout à l'heure, nous aurons la session du matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Et nous avons terminé. Le 31 décembre, nous serons donc à Corbeil pour la nuit de la traversée. Après le culte, nous aurons un repas. Alors pour le repas, s'il vous plaît, emmenez une enveloppe parce que nous aurons un bon repas traiteur. Traiteur, mais vraiment top, top, top. Je peux vous dire, ce sera top. Donc, quand vous allez venir à l'église, à part votre offrande de la fin de l'année, préparez votre offrande, votre enveloppe pour la nourriture que vous allez manger, quand même pour participer. Amen. Participez à la dépense, participez au travail qui sera fait parce que ça sera vraiment glorieux. Le 31 décembre, à partir de 22h, nous serons à Corbeil-Essonne. Nous aurons notre culte et après le culte, nous aurons un bon repas traiteur. Donc, une participation est demandée. Et nous allons ouvrir une liste pour que vous puissiez vous inscrire pour ceux qui voudront être là. Nous allons faire la liste pour vous inscrire. Comme ça, on sait exactement qui sera là pour qu'on puisse pas faire non, pour qu'on ne puisse pas non plus faire un grand, grand, grand repas et qu'il en reste beaucoup. Donc, on va vraiment faire par rapport au nombre de personnes qui seront là. Vous allez pouvoir vous inscrire d'ici lundi et on saura exactement combien de personnes viendront et on va préparer vos places. Que le Seigneur vous bénisse. Le culte, on arrive à 11h. On arrive à 11h et on démarre le live à 30. Donc, on arrive à 11h. On démarre le live à 30. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis, soyez fortifiés. À tout à l'heure. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Vous qui êtes en Afrique, vous pouvez faire votre don par Orange Money. Voilà les coordonnées à l'écran. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Ah, Lilor demande le montant. Donnez, c'est un repas traiteur. Vraiment, c'est un repas traiteur. Donc, quand tu vas manger au restaurant, un bon resto, tu payes combien? Lilor, je sais que toi, tu aimes les belles choses. Toi, tu aimes les belles choses parce que toi, tu es chic. Tu aimes les choses chic. Quand tu vas au restaurant, dans tes restaurants chers, là, tu payes combien? Considère-le comme ça. Donc, je te laisse choisir le montant. Amen. Voilà. C'est quelque chose de chic, de bien. Donc, donne quand même à la hauteur du repas que tu vas avoir. Tu auras l'entrée, tu auras le repas, tu auras le plat de consistance, tu auras le dessert, tu auras, je ne sais pas, le gâteau encore. Tu auras plein de choses. Ça sera très bon. Tu auras le choix. Il y aura plein de plats de plusieurs pays. Donc, ça peut coûter combien? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Donc, je vous dis à très bientôt. Angèle B, sois bénie. Ça me fait plaisir de te voir. Sois bénie. J'aimerais bien te parler. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. Mais après le jeûne, on va se parler. Voilà, on se parlera après le jeûne. Que le Seigneur te bénisse.
Voilà, shalom, shalom. Ah, tu vois, Lilor, tu aimes les belles choses. Tu es bien tombé. 50 à 100 euros, membre. Waouh. Donc, toi, donne le triple quand tu vas venir. Gloire à Dieu. soyez bénis, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Et vraiment, douce nuit, bonne nuit. Des fois, je lis des choses, on dit douce nuit dans le Seigneur. Waouh, douce nuit. douce nuit dans le Seigneur. Bonne nuit. Faites des beaux rêves, mes doudous. Beaux rêves, des rêves de bénédiction, des rêves magnifiques, glorieux. Clamassez, 500 euros. Eh bien, tiens, viens, vraiment, je t'invite. Viens. Des bonnes nuits. Des bonnes nuits. Blessings soient bénis. Bonne nuit, les doudous. Voilà, je vous aime. Soyez bénis. Donc, moi aussi, je vais me reposer. À très bientôt. Ciao, ciao. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et l'émission de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Summer pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.